The Voice. Pourquoi Jennifer a fait une bonne affaire financière en revenant dans l'émission Jackpot. En plus de savoir chanter, Jennifer semble être une business woman hors pair. C'est ce que prouve le gros chèque que l'artiste aurait reçu pour faire son grand retour dans la 8e saison de la version française de The Voice. Si la jeune maman avait quitté son fauteuil rouge 4 ans plus tôt afin de se consacrer à ses projets personnels, elle tentera, début 2019, avec Julien Clerc, Mika et Soprano de découvrir les talents de demain sur TF1. Si Jennifer sort d'une période très douloureuse de sa vie en mars 2017, le bus de sa tournée tuait deux personnes en percutant une voiture sur l'autoroute, un drame dont la chanteuse a mis beaucoup de temps à se remettre, elle revient désormais en force, et semble être sur tous les fronts. Ainsi, le 26 octobre, sortira Nouvelle Page, son dernier album studio, qui porte très bien son nom. D'abord hésitante à revenir sur le devant de la scène, l'ex-compagne de Thierry Neuvik, qui renfilera son costume de coach en début d'année prochaine, touchera un chèque à 5-0, on parle de 600 000 euros, 60 000 euros de plus que les saisons précédentes, un montant mirobolant qui n'a cependant pas été confirmé par la chaîne. Après des longs mois de silence, une chose est sûre, Jennifer semble bel et bien décidée à faire le grand saut médiatique.